Au jour le jour, notre chien nous démontre qu'il nous aime en de nombreuses occasions, de manière différente à la nôtre, c'est vrai. Ainsi, pour mieux le comprendre, il est fondamental de connaître le langage canin. Par la suite, dans cette nouvelle vidéo de Planète Animal, nous allons vous apprendre à reconnaître quelques signes qui montrent que votre chien vous aime. Il vous reçoit avec enthousiasme. Les chiens sont de nature curieuse et ils ont tendance à aller saluer à n'importe quelle personne qui entre chez lui. Néanmoins, s'il vous reçoit en remuant la queue, en courant et en jouant avec vous, c'est qu'il est content de vous voir venir. Il est plus que probable que votre chien vous aime. Si votre chien bouge la queue d'un côté à un autre en y incluant les hanches, vous pouvez être plus que satisfait. Il s'agit là d'un signe clair et net que votre chien est heureux. Il cherche à jouer, il est content de vous voir. Les mouvements de queue amplifiés accompagnés d'une attitude de jeu transmettent une attitude de confiance, d'amitié et de joie. Le jeu est une attitude que les chiens ne perdent quasiment jamais, et ce, même lorsqu'ils sont adultes. À part les chiens qui souffrent de problèmes de santé ou de comportement, comme c'est le cas lors de la démence sénile ou lorsque le chien expérimente un haut niveau de stress. Le fait que votre chien vous cherche pour jouer est un très bon signal, il est heureux à vos côtés. Si votre chien tourne la tête quand vous parlez, qu'il bouge les sourcils et qu'il est toujours attentif à tout ce que vous faites, c'est que vous êtes une personne plus que spéciale dans sa vie. L'attention qu'il vous porte est directement proportionnelle à la tendresse qu'il éprouve pour vous. Que votre chien ait envie d'être constamment à vos côtés est un clair signal de confiance en vous. De plus, cela signifie qu'il se sent bien quand il est avec vous. Bien qu'il existe des chiens plus indépendants, la majeure partie ne peuvent pas résister à traîner dans vos pattes. Quand le chien n'est pas capable de gérer sa solitude et commence à montrer des conduites destructives, comme des aboiements exagérés ou comme quand il fait ses besoins dans la maison. Les chiens, ils adorent lécher. Bien que cela puisse arriver qu'ils soient simplement attirés par la saveur de votre peau ou qu'ils essayent de mettre leur langue dans votre bouche après que vous ayez mangé quelque chose qui leur plaît. En général, quand un chien lèche une personne, c'est parce qu'il veut envoyer un clair signe d'amitié. En certaines occasions, cela peut signifier « je vais bien » ou « ne t'approche pas tant ». Mais dans la plus grande partie des occasions, quand un chien vous lèche, cela signifie qu'il vous aime. Pour notre part, nous avons tendance à renforcer cette conduite parce que ça nous plaît. De fait, quand le chien a compris que cela nous plaît, il n'arrête pas de le faire. C'est une manière de démontrer combien il nous aime. Il n'est pas utile de dresser un chien pour la défense ou pour l'attaque afin qu'il nous défende. De fait, sur Planète Animal, nous ne recommandons pas d'utiliser ce genre de dressage. Car ça génère du stress chez le chien et cela peut avoir de graves conséquences si ce n'est pas fait correctement. Cependant, il est fréquent que votre chien soit hostile aux personnes qui vous crient dessus par exemple. Les chiens sont capables de sentir notre douleur. Ils reconnaissent le gémissement qui ressemble au leur et de cette manière, pour toutes les attitudes que l'on peut avoir lorsqu'on est triste. Pour leur part, il n'y a rien d'étrange à essayer de nous consoler en restant à notre côté, en nous donnant des petits gestes d'amour comme des léchouilles. Bien que ça peut être difficile à croire, la plus grande partie des chiens n'aiment pas qu'on les étreigne ou qu'on les couvre de bisous, car ils se sentent prisonniers et stressés. Il est normal qu'ils bâillent et qu'ils tournent la tête comme signal d'apaisement. Malgré ça, votre chien est capable de comprendre que vous aimez bien faire ça. Du coup, il vous laisse faire avec la ferme intention de vous faire comprendre qu'il vous aime. Comme nous l'avons dit auparavant, les chiens ont tendance à tolérer tous les comportements que nous renforçons. Ce n'est donc absolument pas choquant qu'il nous laisse faire quasiment tout ce qu'on veut si on lui fait cadeau d'un « oui mon beau » ou d'un « je t'aime ». Le chien est sans aucun doute l'animal le plus fidèle qui existe. Il n'a pas volé son titre de meilleur ami de l'homme car sa loyauté est sans équivoque. Si vous faites attention à votre chien, vous l'aimez et que vous lui offrez dans la mesure du possible la meilleure qualité de vie, vous aurez un ami qui ne vous abandonnera jamais. Et vous, votre chien, il est comment? Il montre qu'il vous aime? Et vous, vous le lui montrez? Laissez-nous un commentaire pour nous expliquer comment votre chien vous exprime sa tendresse. Si cette vidéo vous a plu, nous vous invitons à mettre un like et à vous inscrire à notre chaîne YouTube pour ne perdre aucune de nos vidéos. A bientôt les passionnés d'animaux.